Salut à tous et à toutes! On ne peut pas dire que les musiques dansantes et festives soient ma tasse de thé. Samba, funk, disco, électro ne figurent pas en bonne place dans mes listes de lecture. Paradoxalement, j'adore lorsque le métal intègre à petite dose quelques-unes de leurs composantes dans les morceaux. Ne cherchez pas, c'est vraiment compliqué dans ma tête. Je ne sais plus qui a partagé l'album Connection sur Twitter. Peut-être Lonis, Daz ou Marillion73. Qu'importe. Je le remercie vivement. Je ne me souviens plus non plus d'où je connais le groupe Soul Splitter. Et ça m'angoisse beaucoup plus car j'ai déjà dû les croiser quelque part. Peut-être chez eux en Allemagne. J'ai même certainement écouté l'album Salut Genesis sorti en 2019. Enfin, je crois, car il ne m'a pas laissé de souvenirs impérissables. Qu'importe. Lorsque je suis tombé sur l'album Connection, le nom du groupe a réveillé quelque chose dans mon crâne, et je suis allé l'écouter sur Bandcamp. On parle ici de 7 morceaux de 4 à 7 minutes de métal progressif où se dessinent de légères touches latino, classiques et électro. Un métal qui explore de multiples dimensions sonores de manière assez subtile. Avec une basse ronde et dansante, signée Félix, une batterie souvent éblouissante, tenue par Phoenix, la belle voix claire de Sammy qui s'égare parfois dans le growl, la guitare mutante de Simon, du piano joué par Levin et les synthés de Johannes, le chant de Victoria, les trompettes de Jan et Maximilian et les cordes du Norddeutsche Sinfonietta, il y a beaucoup de monde sur cet album. Et cela s'entend, croyez-moi. Étrangement, si j'aime beaucoup Connection, je n'ai pas grand-chose à en dire. Disconnected, Sud Latino, Glassbridge, néoclassique, Incineration, Growl comme il faut, Erosion mêle aérien, métal et cordes avec brio, Thrive donne dans l'épique fabuleusement maîtrisé, Gratitude propose un instrumental de haut vol à la frontière de la fusion latino, et Reconnected, le titre le plus long de l'album après sa splendide ouverture au piano, le truc qui me fait toujours plaisir, repart dans un metal prog grandiloquent qui s'achève sur un ensemble à cordes. Avec Connection, Soul Splitter nous livre une quarantaine de minutes de metal progressif assez classique que je vous recommande pourtant chaudement. Allez l'écouter, il est sur Bandcamp. La semaine prochaine, je reviendrai en France pour vous parler d'une trilogie. D'ici là, soyez sages et portez-vous bien. Bisous!